Je vais intervenir. Non, mais parce qu'il y a une expression qui a résonné à mon oreille. Vous avez dit la politique, elle crève de vouloir faire plaisir aux gens. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations de Nicolas Sarkozy sur l'abrogation de la loi Taubira concernant le mariage homosexuel? Parce qu'on a eu le sentiment qu'il voulait faire plaisir aux gens, justement. Aux gens qui étaient dans la salle, en tout cas. Eh ben, je pense. Pas forcément à la majorité des Français qui restent favorables. Non, mais aux gens qui étaient face à lui dans la salle et qui criaient abrogation. Vous l'avez passé en début. La majorité des parlementaires UDI n'ont pas voté cette loi. Et chez nous, sur les problèmes de société, il y a une liberté de vote complète, une liberté de conscience. Moi, je l'ai voté. Mais je n'ai pas aimé cette séquence parce que, là encore, on n'est pas là. Quand vous croyez en quelque chose, une idée, elle peut être minoritaire. Mon idée, elle peut être minoritaire, madame. Mais ce n'est pas parce qu'elle est minoritaire qu'elle est mauvaise. Et une idée qui est minoritaire et qui est défendue, elle peut devenir majoritaire. Et d'ailleurs, le mariage homosexuel, il était minoritaire il y a un an. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, il est majoritaire. Il faut juste ne pas être, versatile. Voilà. Et j'ai pas aimé ça. Et j'ai pas aimé ça pour une deuxième raison. Je pense, quelles que soient ses idées, on doit pas mépriser les gens et on doit pas jouer avec les vies des gens. Si, d'abord, je pense que personne ne reviendra en réalité sur le mariage gay pour une raison très simple, hein, c'est que c'est inconstitutionnel. Et puis deuxièmement, on va faire comment? Il va y avoir trois mariages. Le mariage d'avant la loi Taubira, le mariage de pendant la loi Taubira, puis deux mariages différents, si j'ai compris, d'après la loi Taubira. On va démarier des gens. On ne joue pas avec la vie des gens. Ce débat, il y a des gens qui étaient pour, qui étaient contre. La loi, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Et si on veut la changer, on détruira la vie de certaines personnes. Ça ne peut pas être ça, la loi française.